Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis dans la joie de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Night Routine. Je vais vous partager mon organisation de la soirée avec trois enfants en bas âge. Je tiens à préciser que ma fille, elle a 3 ans et demi, elle aura bientôt 4 ans d'ailleurs le mois prochain. Mon fils, il a 2 ans et demi et ma toute dernière, elle a 3 semaines. Alors il y a eu beaucoup de changements dans la routine. Je dois m'organiser afin que les enfants soient au lit au plus tard 21h30 afin que je puisse avoir le temps avec le bébé et moi-même. Là, les enfants venaient de rentrer de l'école, alors il a fallu que je leur donne le goûter. Au menu, j'ai prévu le yaourt, la banane et le biscuit. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Si le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, je serai ravie de vous compter parmi nous. Abonnez-vous. Quand vous abonnez, activez également la cloche de notification pour ne rien rater. Pour le reste, aimez la vidéo, commentez, partagez comme d'habitude. C'est parti! Mes enfants, quand ils reviennent de l'école, ils sont vraiment affamés. Je m'arrange toujours à prévoir quelque chose de rapide à leur arrivée. La nourriture qu'on leur donne à l'école, ils n'aiment pas beaucoup. Du coup, je m'organise à ce qu'ils puissent grignoter à leur arrivée en attendant que les dîners soient prêts. Après le goûter, on va relaxer un peu. Les enfants vont un peu jouer là au salon et moi j'étais à côté avec bébé en train d'échanger, en train d'allaiter d'ailleurs à un moment donné. Et voilà, on va passer un peu quelques minutes ensemble, juste observer les enfants, demander comment était leur journée, juste discuter un peu avec eux. Voilà. Bien que j'ai le bébé, je fais vraiment l'effort que les enfants ne sentent pas une grande différence parce que s'ils sentent comme si toute l'attention est qu'avec leur petite sœur, ça peut les rendre un peu jaloux. Ils ne sont pas du tout jaloux parce que j'arrive à bien gérer, à donner mon attention à tous les trois sans qu'ils sentent vraiment que tel ou tel autre est plus privilégié. Voilà, on va regarder la télé pour quelques minutes et les enfants vont profiter pour sauter, crier, relaxer, voilà, après toute une longue journée à l'école. Ils n'ont regardé la télé que pour une quinzaine de minutes, voilà. Et après, j'étais obligée d'éteindre la télé. On les a habitués comme ça qu'à passer quelques minutes devant la télé le soir. Et après, on va éteindre pour passer à d'autres activités. Mon mari ne veut pas que les enfants soient accro à l'électronique, qu'ils soient accro à la télé. Voilà, il a ses raisons. Et moi, je respecte ça. Donc, quand j'éteins la télé, ils trouvent ça normal parce qu'ils sont déjà habitués. Et on va passer à une autre activité. Et là, on devait colorer un peu, voilà, en attendant qu'ils mangent leur dîner vers 19h.
présenter pour les nouveaux. Je m'appelle Joyce. Je suis maman de trois enfants, donc Casey, Gary et Josie. Ma fille, elle a 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Mon fils, il a 2 ans et demi. Et mon bébé, Josie, elle a 3 semaines. Voilà. J'ai créé cette chaîne YouTube pour partager avec les mamans ma vie de femme au foyer. Voilà, je partage des vidéos sur la motivation au ménage, je fais les recettes, voilà les astuces et conseils sur comment tenir la maison propre, parentalité, organisation et rangement, décoration. Si tous ces contenus vous intéressent, en tout cas, je vous invite à vous abonner et à activer également la cloche de notification pour ne pas rater mes futures vidéos. Je serai très heureuse de vous compter parmi nous. On a passé un bon moment avec les enfants. Voilà ce que nous avons fait. Là, c'était pour les enfants. Et ce qui est propre juste à côté, là, c'était pour moi. Alors, on va arrêter tout ça et passer au dîner. Voilà. Je vais laisser les enfants s'occuper un peu. Et moi, je vais faire la pizza, ce qui était au menu pour eux. Alors, il y avait d'autres nourritures pour moi et pour mon mari au frigo. Les enfants, eux, ils voulaient manger la pizza. Donc, j'achète parfois les frozen pizza. Et voilà, c'est très rapide. La cuisson, c'est juste 17 à 19 minutes dans le four. Et voilà, le dîner des enfants est prêt. Et ça me facilite vraiment la tâche pendant ce moment de repos. Je ne vais pas être beaucoup chargée. Donc, quand il faut faire un dîner, je pars avec ce qui est simple pour que la soirée se passe un peu rapidement, qu'ils aillent au lit tôt et que je puisse avoir du temps pour moi-même, pour bébé. Et voilà, me reposer aussi pour le jour suivant. Voilà, on va prendre la pizza, mettre au four. Les enfants vont manger et puis ils vont monter pour prendre le bain et faire dodo. Ils ont accompagné leur pizza de la pêche, le jus de pomme et de l'eau. Voilà tout ce qu'ils ont pris pour le dîner. La pizza, elle était trop bonne. En tout cas, je n'avais même pas prévu de manger la pizza puisque j'avais déjà mangé vers 16 h. J'ai mangé du foufou quand je me suis réveillée du sommeil. Et voilà, je ne comptais vraiment pas manger cette pizza, mais elle était tellement bonne que je me suis retrouvée dedans. Alors, les enfants vont manger. Et c'était pour moi aussi l'occasion de passer encore quelques minutes avec eux à table. Ils aiment bien ça. Et moi, j'aime vraiment qu'ils me sentent présente dans tout ce qu'ils sont en train de faire quand ils sont à la maison. J'ai terminé à manger, les enfants ils prenaient leur temps, ils prennent beaucoup de temps pour finir leurs fruits. En tout cas, c'est une obligation de manger quand même une bonne partie. Alors ils étaient encore à table et moi j'ai profité pour ramasser les jouets qui étaient éparpillés dans mon salon. Comme ça, quand on va monter pour leur bath time, je vais profiter pour remettre leurs jouets à leur place. Voilà, donc le salon n'était pas sale, c'était juste des oreilles qui étaient éparpillées, les throw blankets et tout. Je vais juste ramasser mes jouets, ramasser le jeu des enfants, voilà, mettre dans les trash bags là pour me faciliter la montée, ramasser tout ce qu'il y avait comme petit papier ou
petits trucs qu'ils ont jetés, mettre ça dans les sachets poubelles là, et voilà, essuyer la table parce qu'ils ont laissé le fingerprint de la peinture et tout, et voilà. Le coup est joué, la maison était propre, donc il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. C'était une soirée très relaxante et c'est comme ça que je souhaiterais que tous les jours, que ça se passe comme ça. Comme ça me permet d'être très relax et d'aller aussi au lit avant. J'étais montée avec leurs jouets, ensuite je suis montée avec les trois enfants et là j'ai récupéré leur pyjama qui était déjà apprêté pour la soirée. Voilà, je vais rincer le baignoire, c'était propre, mais j'aime juste rincer avant de remplir de l'eau. Voilà, les enfants ils aiment s'asseoir un peu, jouer avant que je ne puisse les mettre au lit. Voilà, je vais juste rincer, mettre leur gel de douche. Ensuite, remplir de l'eau, ils vont s'asseoir, ils vont jouer, ils vont sauter. Ils vont prendre encore une dizaine de minutes. Ensuite, je vais les sortir de là, les habiller. On va passer quelques minutes à lire le livre, faire la prière et arranger les jouets. Et je vais les laisser. Pour brosser les dents, je leur accorde le temps de le faire d'abord seul. Ensuite, moi, je vais passer en dernier. En fait, j'aime qu'ils soient un peu plus indépendants en ce qui concerne leur toilette. C'est pourquoi je leur accorde toujours quelques minutes avant. Ensuite, moi, je viens finir le travail. Après avoir brossé les dents, il fallait qu'on passe à notre story time. En tout cas, c'est parmi les meilleurs moments de la soirée avec les enfants. Ils aiment beaucoup les livres. Ils aiment la lecture. Moi, j'aime bien les livres. J'aime la lecture. Mon mari, il adore les livres. Lui, en tout cas, c'est plus que nous tous. Il est toujours dans les livres. Curieusement, nos enfants, ils adorent aussi les livres. En tout cas, quand nous avons notre story time, surtout quand mon mari est là, ils aiment, ils sont vraiment dans la joie, ils sont vraiment plongés. Et moi, j'aime énormément et je suis fière de les avoir initiés à la lecture très tôt. Voilà, on va lire quelques stories. Après ça, on va chanter. J'ai chanté et puis j'ai fait une petite prière avec les enfants et ils vont partir au lit en attendant. Josie, le bébé, était avec moi. Elle était d'ailleurs en train de téter. Voilà pourquoi je suis couverte. Voilà, elle était là avec nous. Elle était présente. Elle a aussi participé à notre story time. Ensuite, mon fils, il devait monter et ma fille devait rester aussi dans son lit en bas. Voilà, il s'apprête déjà à dormir. Et quand ils vont s'allonger, moi, je vais profiter pour ranger un peu les bazars des jouets qui étaient en bas, voilà, juste mettre ça dans leur étagère, ensuite partir de la chambre. Quand j'arrive à ce point, ça me fait vraiment de la joie parce que je sens que mon repos aussi approche. Avant d'aller au lit, j'aime pas laisser leurs jouets en vrac comme ça parce que la chambre sera très sollicitée le matin. Avant qu'ils aillent à l'école, du coup, il faut que je libère un peu l'espace. Et le seul moyen est de ramasser juste les jouets, les mettre dans leur étagère. Comme ça, la matinée sera plus facile. Et les habits étaient triés, déjà mis au centre, leurs chaussures, chaussettes. Donc, tout est prêt pour le matin. Parce que parfois, je n'arrive pas à me réveiller. C'est mon mari qui les apprête et part les déposer. Du coup, j'aime que tout soit prêt et facile pour lui les matins. Là, c'était les habits sales que je devais faire descendre quand je vais partir de leur chambre. Voilà. Les enfants, ils étaient apparemment fatigués. Ils n'ont pas tardé à dormir. Alors, je vais éteindre toutes les lumières. Je vais tirer la porte et me casser. Voilà. La chambre, elle est petite. Du coup, quand je range les jouets,
ils ont quand même de l'espace qu'ils vont utiliser le matin pour s'apprêter. Voilà. Les enfants ont dormi, je suis descendue, mon bébé était juste à côté avec moi. Ne faites pas attention à ma robe avec tout ce que je venais de faire au-dessus, brosser les enfants, les laver, allaiter, voilà. Ma robe, elle était mouillée, il s'agit de la vraie vie. Je suis rapidement descendue vider l'évier qui avait un peu d'assiettes, c'est juste ces 4 ou 5 assiettes, voilà. Je vais rincer l'évier. M'occuper de mon bébé, elle devait aussi prendre son bain. J'ai l'habitude de les faire à la cuisine. Bassin que j'utilise pour le bain de bébé vient de Target, donc c'est vraiment facile. Ça a des trous, tu n'as qu'à déposer juste l'enfant au-dessus, et quand tu mets de l'eau dans les sinks, tout coule, donc rien ne reste. Ça a des trous. Voilà, j'ai pas bien filmé ça, mais je crois que vous avez quand même vu. Ça coûte, je pense, 19 $ à Target et je vous le recommande vivement. C'est très facile pour les nouveau-nés, pour les nouvelles mamans qui savent pas encore bien laver les enfants dans les gros bassins. En tout cas, utilisez ce bassin. Vous les posez juste dans votre sink. Vous déposez bébé au-dessus et vous n'avez qu'à mettre l'eau là où vous voulez que l'eau puisse aller. Ça se passe très facilement et c'est vraiment pratique. Je ne vais pas traîner avec le bébé. En tout cas, je la lave pas tous les jours, mais le jour où je la lave avant qu'elle puisse s'endormir, elle dort très bien. Elle peut vraiment prendre 3 heures d'affilée comme ça pour se réveiller et prendre la tétée. Voilà, j'ai terminé à laver bébé. Je l'ai habillée. Quand elle s'est couchée, c'était aux environs des 22 h. Alors, j'ai pris mon bain. J'ai pris un peu soin de mon visage pour aller au lit, voilà. Terminé, je suis allée au lit. Voilà, je vais prendre ma vitamine prénatale parce que je continue à le prendre même après accouchement. Voilà, je vais prendre ma prénatale. Ensuite, je vais passer un peu de temps sur YouTube à regarder quelques vidéos de mes amis. Je crois que j'avais regardé 3 vidéos cette nuit-là. C'était la vidéo des secrets de Milos, la vidéo de Vanessa by Design, et j'avais regardé aussi la vidéo de Queen Esther B. Voilà, j'ai regardé 3 vidéos, j'ai suivi l'exhortation et j'ai fait ma prière. Voilà, c'est comme ça que c'est clôturé ma soirée. Je vais dormir. Alors, mon mari devait passer une nuit au travail et moi j'étais seule. Voilà. Mon bébé était juste à côté dans les berceaux. Elle avait vraiment très bien dormi. Elle s'est réveillée qu'aux environs de 2 h ou 3 h du matin pour prendre sa tétée. C'est un peu à ça que ressemble ma routine du soir quand mon mari n'est pas à la maison. Sinon, quand il est là, les choses sont un peu différentes parce qu'il met la main à la pâte. Voilà. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Nous sommes à la fin. Voilà. Si elle vous a plu, likez, commentez, partagez pour que ceux qui ne connaissent pas ma chaîne puissent me découvrir et qu'ensemble nous puissions agrandir cette famille YouTube. Je vous remercie infiniment pour le support. En tout cas, continuez à être là parce que c'est pour vous que je suis là et je continue à être motivée à filmer des vidéos. Je vous fais beaucoup de gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo avec le même plaisir. Bye bye.